Bonjour, président Gustave. Oui, bonjour, mon Amboka. Président Gustave, partout dans mon ancien la Congolais télévision, plus de 100 000 followers, 100 000 abonnés, parce que tu es branché à Kouéba Koulanda ou Moukoua, le YouTube est un sotali politique et la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, mon Amboka Gustave, tu as une nomination au chef de l'État, tu as nommé à la 4e armée, ainsi que bouger moins un peu appareil judiciaire à la République démocratique du Congo, particulièrement à Bayi FARDC. Peut-être que la source du Cambo est sur la déclaration du président chinois, ainsi que lancer la Bayi Mboka qui a M23. Que basi la gueule banini ya ko cesser ba arme na bango to ke na voie ya dialogue te bité dialogue ngoza inini te bité ban te ke bon na kati armée to ndenge nini pe troisièmement entre la zouzou de ce aussi dit kota la mamoke question ya IDPS ndenge nini za kotambula ndenge bato préparer élection en 2023 et si tu blasou de ce kota la deni mukwege wasi asina ko mba bayimboka français et belé diplomatie to ndenge nini parce que azoko prétendre kozala chef de l'état en 2023 par makam to bem ko lolo yango na ko président Gustave bonjour. Bonjour mon amboka, bonjour na bayon so bazali kolanda biso de partout au bozali bato bosala ka biso confiance. Nous qui ne sommes là que pour vous dire des réalités vraies, parler de vérité et pourquoi pas vous expliquer la situation générale, que ce soit sur le plan socio-culturel, politique, sécuritaire. Donc, nous allons en avant pour nous lever la cabine. Bisso va être aux oies. Nous allons à la communication pour le président de la République. Merci beaucoup, Mwamboka Gustave Lutumba. 4 mois déjà en Goyo, Bounaganda déjà, tout segment, tout 6 mois, je ne sais pas, car Bounaganda a toujours contré par Bahir et Bémon Amboka. C'est comme si RDC a quoi. Bon, il dépêche, il n'a pas pouvoir concrétiser plan de bacalisation, tu n'as pas Amboka Gustave. Non, mon frère, je sais que l'IDPS ne peut jamais admettre qu'il y ait balkanisation dans le cas de cannabis sur le lot. Parce que Bisso Tubunde là, unité, tout ça, l'effort Mboka sera toujours uni. Et vous serez d'ailleurs d'accord avec moi que le chef de l'État. Sa toute première sortie à un hein, niveau à Kokende na intérieur à Kendagi Kosa la meeting na Goma et c'était plutôt na Nord Kivu et c'était précisément na Beni. Mais si Kani ni chef de l'État à Lobaki que à quoi permettre jamais ne fût-ce que na une portion ya terre na Bisso et à la céder. Je dirais na ba tu ya libanda topé na ba ini ya Congo mais asuka ki wana ta lobaki que la situation sécuritaire ya est ezali une grande préoccupation na ye préoccupation na ya makasi et s'il faudrait que ape sa vie na ye a sacrifier vie na ye pour que la paix revienne à l'est il allait le faire et aussitôt dit deux jours après avion moko ezalaki ko accompagner suite, il y a chef de l'État, l'avion logistique de Bissonyoso et Bungaki et Kendeko s'est retrouvé dans Zamba, Bato Bazalai Kuna Nakati, Bakoufaki. Et aujourd'hui, là, le chef de l'État, Azali ko fourni ba effort Nyoso pour Nakoluka comment est-ce que Ako ramener la paix à l'Est, au Monaki Instouraki état de siège. Et le Oyo, il y a la plupart des villes et villages où Azali Kina Maboko Yaba rebelle. Dans ma boko, il y a des saints, dans ma boko, il y a des bandits, dans ma boko, il y a des groupes armés, et comment le nom de ma boko, il y a des militaires, et s'il y a eu peut-être la tombée, il y a Bounagana entre les mains, il y a un 23 autres complices, c'est parce qu'il y avait aussi une complicité à l'interne au sein de l'armée. Et là, je cite même le général Yav, il connaissait l'objectif, et c'est là qu'il va céder Bounagana, et par après, il va céder Goma. Mais malheureusement, Dieu les a confondus et heureusement Dieu était de notre côté et il a soutenu son serviteur Félix Antoine Tshisekedi. Kalamingi te Bounagana et Zozonga na maboko na biso. Merci beaucoup mon amour Agissa, tu l'as bien na Maloubano Sukolo, Baba Yimboka, tu n'es que solo bike. Présent fait ce que la première qui baye Mboka ke portion mon réacteur te ko kené na ngambo ya bangu ya banguna te mais to ce que moi na pouvoir na yé tant en côté après quelques mois de ce que moi na ba M23 ba s'activer déjà ma case déjà ou ba même ko gagner une très grande partie oh pe sa baye Mboka souffle ya ba or ba minéré belé Bounagana
et ce que vous allez récupérer par bailli rebelle et puis basique installer l'administration c'est monter que déjà mon équipe déjà été non bailli mon rabat est à la classe sous tes que on a la partie n'a pas son bon gars qui parti n'a pas ya est et qui était et ni mon repéter qui est mais drapeau est des en merde et mon bon gars on a l'ingénieur n'a pas ça. Même à Tomonaki, Babililo, Batoubale, qui s'est au nom, Batier, la clôture, Bakaran, oui, c'était des faussetés. Vous devez savoir que ici au Congo, nous avons des complices, il y a M23 qui sont des Congolais, puisque même au sein de M23, il y a des Congolais qui sont là. Il y a des Congolais aussi qui sont là. Vous êtes en train de confirmer que ce sont des Congolais. Je confirme qu'il y a des Congolais qui sont là. Ce ne sont pas tous des Congolais, mais il y a des Congolais qui sont au sein de ces mouvements, il y a M23. Là, je peux être d'accord avec Kagame quand on dit que c'est les Congolais. Non, j'ai dit qu'il y a des Congolais. Je ne dis pas qu'ils sont tous Congolais. Il y a des Congolais qui sont là. Je prends l'exemple, je dirais, il y a porte-parole Nabango, c'est un Congolais. Mais qui les instrumentalise? Ils sont instrumentalisés par le Rwanda parce que, bah, ils ont servi la base arrière. Il y a Rwanda. Ils sont instrumentalisés par certains occidentaux mafieux. Oh, bah sentir ce que le chef de l'État de la politique sécuritaire naïe a coincé bango à mettre bango dos au mur. Bah pour ça qui est à kende na table à négociation na bango à brasser bango comme l'avait fait Kabila pour très bien infiltrer notre armée. Mais le chef de l'État a refusé le lobby. Je ne peux pas négocier avec les terroristes. Pourquoi les États-Unis d'Amérique ont refusé de négocier avec les terroristes, je dirais, irakiens, des terroristes afghans, des terroristes, je dirais même, libyens? Ils ont refusé. Ils refusent même de collaborer avec des djihadistes. Mais pourquoi nous pousser seulement à négocier avec des terroristes? Or, le monde entier, ils allaient mener la guerre contre le terrorisme. C'est par là que nous avons compris que derrière les M23, il n'y a pas eu seulement le Rwanda, mais il y a eu certains occidentaux mafieux au Bazana Makanisi, Yakoyi Bakaba Minere Nabiso pour que notre peuple a continué toujours à souffrir, peine à koukoufamentu. Et ici, que le président Félix Tshisekedi, Aza Mouana Moukete, Azali, je dirais, marionnette, ou peut-être m'aurait manipulé, c'est un fin politicien et aujourd'hui, tout le monde le sait très bien, c'est un secret des politiciens. Que le FARDC, le FARDC, Bazali, qu'on frappait déjà dans Bounagana, peut-être, je dirais, dans deux semaines, Bounagana, nous sommes aux Alamabou. Pourquoi j'ai dit peut-être? Te frapper, Bango, Naba, différents, te partis, au Bakipa, qui est dans l'Est, Bakimi, Bakéko, s'est concentré, Bango, tout dans Bounagana, parce qu'à Bounagana, il y a le Rwanda d'une part, il y a d'autre part aussi l'Ouganda, Bapéo, tout ça, Nango. En frontière, voyez. Alors, Bakayi wana pona basa la renfort de sorte que ba pousser biso to négocier na bango. Mais le quoi la biso to sa na option à négociation te ne il faut to frapper bango. Merci beaucoup mon mboka Gista, veuve de qui j'étais ka parenthèse, to ko takati wule so mo kwa lelo, o chef de l'état su ko nommé au bouger mon appareil. Il y a l'IFARDC et le Simi Sécurité de la République du Congo. Pourquoi est-ce que c'était le moment où Tshisekedi a bougé l'appareil à l'IFARDC sur le plan de la nomination? Pourquoi est-ce que c'est un coup d'État? Non, écoutez, c'est un coup d'État, au contraire. Est-ce que c'était le moment où il y a ça la réforme? C'était le moment, d'ailleurs, il l'a fait en retard. Si c'était moi, j'allais le faire une année après la prise de fonction officielle en tant que chef de l'État, si c'était moi. Mais tellement que le président Félix Tshisekedi c'est un fin stratège. A étudier à Moutounio, il aime tout le monde, mais il étudie aussi tout le monde. Il aura trouvé que dans Katinayo, Makambo Batoubalo Bapona Yezengo, il te déclasse. Il voulait marcher avec tout le monde pour ne pas donner l'impression qu'il était contre le militaire qui ont travaillé avec Joseph Kabila. Rappelez-vous, le chef de l'État, sa première ceinture était composée même des anciens gardes du corps, il y a Joseph Kabila. Et qu'est-ce que les gens n'avaient pas dit? Mais le chef de l'État leur avait dit ceci, parce qu'il avait que confiance, c'était des Congolais. Il avait confiance à ses successeurs. Naïe, non, il n'avait pas confiance à 100% à son successeur. Mais il savait qu'il y a un principe administratif qui dit que les hommes passent, les institutions restent dans la logique. Ou selon la logique des choses,
l'armée est ta politique. C'est-à-dire, on a su ma fonction, le président Wazala qui en a, il part, il me laisse avec l'armée ainsi que l'intérieur, la police. Vous comprenez? Donc, il n'avait pas vraiment raison. Il y a Robin Anabango, il y a Robin Anabango, il y a Robin Anabango, comment fonctionne. Et il y a un esprit, il y a Sikato, comme on est dans les États-Unis, il y a un garde présidentiel, mais qui est rattaché à l'État. C'est l'État qui le paye. Le chef de l'État, il y a Abimia Kei, mais garde, il y a Atikala Kaka. C'est comme ça qu'il a travaillé avec eux. Mais après, à un moment donné, il y a eu des trahisons, il y a eu des suspicions, il y a eu des soupçons aussi. Il y a que non coup d'état, il fait bête à mal, il fait ça la main. Non, il a bangi ma cité parce que ce qui est banga, il y a banga depuis 2019, depuis 2020. Et aujourd'hui, nous sommes en 2022, soyons logiques quand même. 2019, 2020, 2021, 2022. On a déjà 4 ans aujourd'hui depuis qu'il a accédé au pouvoir. On a déjà 4 ans. Et à 4 ans, on est censé dire qu'il a eu à maîtriser quand même, certaines réalités à 70%, pourquoi pas à 80%. Vous voyez? Alors, ce qui a poussé le chef de l'État actuellement, Yako, réaménager au sein de FRDC, c'est parce qu'il a compris qu'il y a certains Congolais qui n'ont pas de cœur congolais. Aux hommes, on a les Congolais, mais même tout le monde est rattaché à l'intérêt. Les intérêts sont rwandophones. Comment ça? Les intérêts sont occidentaux. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Comment Bounagana a été tombé? Mais ça, c'est bête à matin. On s'est réveillé comme des bons matins. Les gens qui commandaient les opérations. Solo, Lina Paul Gaga, mais non. En tout cas, dans la minute, on s'est concentré telle place. Bino Bokote, là, Bounagana. Bokote, la partie, là, vous allez assiéger. Et tant que vous continuez à force, vous allez quoi assiéger. Et l'autre chose, peut-être, c'est parce que dans le cas de la Bitumba, il y a le rapport de force. Le rapport de force, c'est le rapport de force physique, rapport de force psychologique, rapport de force, je dirais, moral, là je parle sur le plan professionnalisme, et rapport de force matériel. Ozo bounana moutou azana minouk yama kas. Kole kayo. Et kozala pasi. Ate ozana bateau bazana professionnalisme ebele. Parce que notre fardé c'est professionnalisme. Wana toujours d'accord na Anthony Guterres. N'a si gros bake ba 1-23 bazana mandouk ebele même kole kame ma eba yi. Non. Le 1-23. Le 1-23 bazana mandouk yama kasi kole kabiso ba Congolais. Kole ka Nations Unies. Puisque dans les Nations Unies nous avons les États-Unis d'Amérique. Il y a une loi que M23 asa plus supérieur et M23 fabrique les armes. Non, les armes qu'utilise le M23, Bazo Sombayango en Angleterre, Bazo Sombayango en France, Bazo Sombayango aux États-Unis d'Amérique, les autres les achètent peut-être aussi en Russie, en Chine. Vous comprenez? Parce que les armes modernes au Yezo Bundama en Ukraine, quelques-unes ont été retrouvées. Nakon il y a un 23 attend que tu traques à Bango, tu trouves qui moussous. N'est-ce qu'on a dit quoi? Que par rapport il y a un embargo au Bapé Sarabiso. Biso tu regardes qu'au Sombatin parce qu'il y avait un embargo. Tu au Sombandenge nin Mindoki. Et Balongwe tellement tu as pression il y a un embargo. Bah comme on non, vous devez notifier avant d'acheter les armes. C'est-à-dire nous notifions aux Nations Unies que tu as dit que tu armé, tu as posé une arme, une arme. Si tu as dit que tu as dit arme, tu as ennemi que tu as facilité à dit que tu as tel type d'arme. Tu as dit que peut-être que l'équipe est makasi. Yango monaka, as dit que arme et un secret à chaque état. Tu as dit arme et tu as dit secret à biso. Alors, bango as dit que limité as pour que tu contrôle tout autour. C'est ainsi que je salue, je dirais, le président chinois. Il a pris le courage. C'est ça, pas le sujet. Il a pris le courage. Il a pris le courage. Yako Senga, dans les Nations Unies. Balongo la notification, basali quoi imposé dans Ngobiso. Batika la RDC assomba ba arme nae facilement. Puisque avec la notification, tu rôles que tu aurais dans tel type d'arme na Chine, ba peki si biso abike na bosomba te. Pourquoi bosomba te? Parce qu'il y a l'insécurité dans votre pays. Parce qu'il y a l'instabilité.
tant que nous sommes bien, nous sommes bien, nous sommes bien, nous sommes bien. Voilà là où il y a les problèmes. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, j'aimerais vous dire que le Rwanda, sur le plan, il y a formation. Le Rwanda ou l'armée rwandaise n'a pas la même formation que le militaire congolais. Formation est plus supérieure parce que Nakati Afrique, nous sommes classés 10e puissance africaine. Le Rwanda vient après la République démocratique du Congo, malgré l'arme et la nouvelle technologie. Donc, il suffisait seulement que la RDC ait la possibilité. Il y a Kosomba, des nouvelles armes. Je vous dis, dans 2 jours, nous allons traquer tout le 1-23. Mais d'ailleurs, malgré cela, notre armée tient toujours parce que depuis 2014 au 1-23 Kota Awa. Et depuis 2019 au chef de l'État, Azoa qui va pouvoir naïe, va fonctionner officiellement. Abengana ba 1-23 na ba terrain oyo bazala iko occupé. Voilà ce que moi je peux dire. Écoute de chapeau, on va faire des scènes. Tu viens de quoi plengler le Kamotali président chinois. Oh, si tu peux plaider pour la République du Congo, parce que l'ancien ministre pas baillé 1-23, ben bako bima na bati ka mamando ki na mamba ya na voie ya dialogue ke ba solo là. Qu'est-ce que cela veut dire? Non, mais si quand on est d'accord, pourquoi on ne peut pas négocier avec le terroriste? Pour nous les Congolais. Non, c'est comme si 1-23 a bercé le Congo. Laissez-moi évoluer. Pour nous les Congolais, le 1-23 est considéré comme étant un groupe terroriste. Vous comprenez? On ne négocie pas avec les terroristes. On ne peut pas négocier avec eux. Parce que les terroristes n'ont pas d'âme. Ils tuent chaque jour. S'il arrivait qu'on négocie, alors les gens qui sont morts, Barozon, ils ont envie? Non. Et puis de deux. Et l'obéli, oh, il y a un président chinois, l'obéli peut-être, bah, il y a une arme, bah, il y a une diplomatie. C'est pour relayer, maloba, oh, yo, je dirais, Guterres, aloba, qui dit, oh, il y a tribune des Nations Unies. C'est pour encourager peut-être la procédure où le président français Emmanuel Macron a Zouaki, il y a rassemblé les deux présidents. C'est pour aussi empêcher la colère, il y a RDC, et s'enflammer trop tôt contre le Rwanda. C'est ce que les gens craignent, j'aimerais vous dire. C'est ça le vrai problème. Parce que les gens savent aujourd'hui que ceux qui ont vu monter en puissance sur le plan militaire, Torotik est là-bas, 1-23. Je dirais, tenter et toko risque tout l'andabango bisi kanyon so au bango barosala. Donc, c'est que soit toko beaucoup tabango na chambre à Paul Gagam et Olimbi Sabangote. Allez-y comprendre. Il y a un moment de baling à bain, même sur la table, il y a négociation. Nous n'allons pas négocier avec le 1-23. Nous allons le traquer parce que nous avons une armée puissante. Merci beaucoup, mon amboka Gustave. Tout bloqué de ces États-Unis, général Tchoué. Oui. Bon profil de général Tchoué dans Katia. Le général Christian Tchoué, oui, c'est un général d'abord qui a très bien travaillé à l'époque d'abord de Joseph Kabila. Il a travaillé. Non, j'aimerais vous dire que Tchoué, oui, n'est pas Kassayen, c'est un Katangé. C'est un Katangé. D'ailleurs, Tchoué, oui, n'est pas dans l'armée parce que Félix Tshisekedi est là. Il était déjà dans l'armée. Il a travaillé avec Joseph Kabila dans la garde républicaine. Au moins, matière, il y a armée et il y a confiance. C'est le chef de l'État qui est le commandant suprême. À quoi il faut nommer, parce que X, Y à lobby, mais il doit nommer ce qu'a trouvé que en cette personne-là, ou dans cette personne-là, il a sa confiance. Lui, le chef de l'État. Et puis de deux, à tenir compte, il y a ma compétence. C'est ainsi que Tshiwewe na Moussala qui toque au ya Salaki, le chef de l'État, a qui copé, c'est d'abord grade, il y a lieutenant général. Ouais. Naïta, on a Monica Bapé, si Tshiwewe grade, il y a lieutenant général. Na yebisi na Gilles Monnier, Mbalamaro, que le général, on a passé Tshiwewe, il est le futur commandant, je dirais, il y a forces armées de la République. Et aujourd'hui, nous avons été satisfaits de voir le chef de l'État qu'on nommait le cola chef d'État-major Yafar DC. Alors, on a dit Mbala, Moussensa, Mbala, Mbala, Abou Kanara, le rôle Mbala. Général Mbala ne donnait pas l'heure d'être un général d'armée. Il ne donnait pas l'heure d'être un commandant, un chef d'état-major. Parce qu'à deux fois, il y a des choses qui s'est passées.
oh ya bande ko ko ka ko résoudre en côté, mais nous croyons au profil ya Christian Tshiwewe et nous savons que à ko répondre na ba tante non seulement ya le commandant suprême mais à ko répondre na ba tante ya le peuple congolais otozo luka mapinga na biso sala musala kitoko. Merci beaucoup Mamboka Gustave, to betamo muke di solo itikali muke par rapport ya diplomatie ya Denis Mukwege ou asu ko sala to so bazo pote ko ta plan na 2023 mais azo ko bonami to si ko mona officiel français qui ex-président la Bango François Hollande ainsi que ya na kata République Congo mais si ko mona ba officiel la République Congo ta dit attends qu'est-ce ko mona directement mon Mboka Denis Mukwege prix Nobel de la paix. Non, j'aimerais te dire d'abord que Denis Mukwege est parrainé par la France. Vous comprenez? Denis Mukwege est parrainé par la France. Aujourd'hui, la France a perdu ses pédales. Na kati Afrique, ce tobi tobi tama sur la Guinée, tobi tama Burkina Faso. D'ailleurs, ba tu ko benga na bango ba beti ba koti, les ambassades sont inviolables. Mais la population burkinabeuse a été à niveau à violer l'ambassade aux alliés à France Kuna na Burkina Faso. C'est pour montrer leur colère par rapport à la politique française qui est assise sur l'hypocrisie et leurs intérêts, mais pas l'intérêt ya pays wana. Et le lot aussi de Mukwege a été Kozouaba parrainé. Il n'a jamais été politicien. Nous savons que c'est un surigène, c'est un maintien. Ou à Bandai Kobongi, ça va systématique. Quand on va violer Bandai Kosa, ça va systématique, il y a ma mère. Vous comprenez? Mais le lot, il y a quel lingue à Kosa la politique parce que certains multinationaux, bah, Bengé Namoupazi, bah, promettre, bah, là. Mais Nganazol, bah, c'est déjà un échec en avance. Pourquoi? Parce que la politique française en Afrique, ça n'a pas payé. Tala Kaya Congo Brazzaville, Tala Kaya Brazzaville, il y a Gabon. Vous allez voir que presque partout le lot, Kenda Tana Mali, Kenda na Guinée, au moment que la France a perdu pédale et c'est déjà un échec d'avance. J'aimerais seulement dire na François Hollande bo s'occuper beaucoup plus na politique na bino que bo luka bo s'immiscer na o Italie politique ya la République démocratique du Congo. Mais dis-moi en démocratie Mukwege, en démocratie Mukwege, il a droit de faire la politique ba o peki sa été, c'est ça la démocratie. Mais soit oh, il y a choisi il y a bah français on a yébissé que non bah congolais bah revoter parce que la politique française en Afrique est à loco là et bembe et bandi au pola attendant de konayo au moins on monte au bendan. Merci beaucoup moi l'ambroisie. Président Gustave, montons nous tous à qui de commencer pour ta la nomination au sein de la carte d'entreprise publique mon amboka évolution nous a indiqué bah imbo bato tout na ming bah lobby ming bah bah idée pour vous avez incompatible compétent beaucoup à misalité mais tout mon chef de l'État a toujours fait bah toujours confiance et renommé bah toujours. Et vous savez, vous avez une idée, mon amour, Gustave. Nalingi, avant tout, évoluer d'abord na CGO, na, le coup, na moni, ba collègue, nanga, ba président, ba parlement, debout, ou ba sali, pa entrer, na ba, on a olingaba, le ka, na plateau, na zomo, na président Gilles Moniere, bote na yo, na moni, président Dominico, na moni, président Ridi Balonga, na moni, koto, président Gelor, donc, na rose, plateau, bête, na ba, parce que, bango pe baza parmi bato baebima solo oyo très 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 bien il y a ma mouvement nous ezali ko se passer na ba entreprise et d'ailleurs na Sabino il y a des entreprises oyo banda chef de l'état nommé ba DG oyo sala musala malamu tozo neti DGI le lo au senti que non DGI kombo na ezala kana ni ah voilà DGI au senti que non aosa musala na ye très kitoko to komi na ba recette ya ko saranate na kati ya ya mboka na biso le lo au senti que non hein. Tout ça, la recette, il y a 600 000. Non, tu as 6 millions, voilà. Donc, tu as 6 millions, 7 millions. Tu as 8 millions par mois. Oh, les bosseuses, là, qui bosse la recette, il y a 200 000 dollars, il y a 300 000 dollars. Difficile, il y a qu'on récolte 1 million. Tout ça, il y a déjà Moussoussou, il y a déjà Gérard, bien qu'il y ait un combo, il y a déjà Gérard. Nous sentons quand même que ça la musala malamu tous ape na DGDA tous sentir ça la musala malamu mais tous a na DG moko le technicien il y a OCPT voilà comprenez cela kana ni Didier Moussete voilà Didier Moussete d'abord félicitations parce que ça la musala kitoko et tu as dit que lobby local là ba che budget na budget oyo ba zako ba outi ministre auteur qu'au dépôt premier ministre auteur qu'au déposé la rentrée parlementaire awa et ça là qui estimé na 14 milliards 500 millions et na 4 tu en a ba loué un budget il y a 1 milliard pour la défense
C'est-à-dire pour l'armée, bah, on a 1 milliard. Alors tu as dit que 1 milliard, voilà, tu aurais qu'on responsabilise l'entreprise Moko et qu'on a payé 1 milliard. Bah, entreprise au rôle au CPT. Donc nous savons qu'avec la poste, la poste est pas la France et vivra à Kara, la poste est pas bon. C'est-à-dire que la poste est au foot à travailleur et au foot à armée. Mais avec les innovations, Oyo, Didier Moussete à Zanango, parce que tu as rappelé Nabatou, ça fait au moins 17 mois depuis où il y a commis la poste, wana, et que comme il y a commis, que nous avons fait le bâtiment Kitoko. Balouka na sima. Ba salito ezalara nezate ba solo ezalate ba innovation ezale bele autre beta mais na lingi na nu na tika na mke maloba et pas le président Jules abordé et après na simana yango ngai pe na ko évoluer voilà ça va président Jules Mounier plus de 100,000 abonnés na Congolais télévision 100,000 followers ba retour na moment le lomba na mboka Jules Mounier ba lobi bino ba IDPS bozo bonga ba nommé bino ba poste minene mais en réalité vous êtes des incompétents mon mboka mais bozo ko ba ke désir au CPT aussi la moussa moussa qui to stratégie en zone wapi mon mboka poste moussa qui to mon mboka Jules Mounier. Merci beaucoup monsieur journaliste mutuna kitoko Didier Moussete as intellectuel. Didier Moussete est un fruit, il y a papa Etienne Tshisekedi de Mulumba. Azo sa la vision à mon compte en bolo moi ma yakani ndalegram ki chinzo bo bilumba. Moi ma yabital. Le président le plus propre du monde. Oh le lo se pelisingai mes journalistes. Na yebisa ka batu. Bano melengai le général Chiwewe. Deux semaines avant na bandi publication bano melengai général Chiwewe na sepela. Congo est comme en Akimia. Les lots, depuis hier, général Chiwewe a commis général, lieutenant chef d'état-major général. Et c'est un côté. Mais ce que c'est un gros manifesté, c'est quoi ton gang à base? Merci beaucoup mon amour Jules Mounier, ben imboka la souk ba meta chine ya soukani ko ko la ben imboka batalo partout mon amour parce que on s'en doute déjà départ na bino déjà ben vert qui s'engage mon amour ben imboka lobby est-ce que réellement Jules Mounier qui te qui s'engage to ndenge mon amour. Merci beaucoup monsieur journaliste bino ndebo sala bona to benga ka bino na chiruba ba kamona kamba soko muni o lobby na tambole la 26 province na lelaki. Nous avons 26 provinces, Tokendaki, Kwango, Kwilu, Maindombe, partout. Nous avons quitté ce qui est la zone de Kwilu. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit de père et de mère, à Kiti, à Betindule. Yango tolobi, bisonyo so Congo tozali de père et de mère. D'ailleurs, je suis à la veille. Na zo kite kisangani avec okise kabuye mwana bute chingoma. Bana kisangani. Bana kingo mwambe. Bana sido awagenya. Ba sheri nyoso ya bie. Oba landa kabiso. Tozo kita kisangani avec okise kabuye chingoma. Tozo kita. Boya mbabiso. Akompanyi na mama bazaiba. Kingo mwambe. Bazaiba bizu. Merci beaucoup, mon amour Kachi Mounieré. Moi, je ne suis pas papa ça, Gustave. Je suis là parce que je suis là. Il y a une entreprise, il y a poste. Donc, ba innovation, oyo Didier Moussete a amené na carte ya poste. Ce tout le bel ango émission aussi la toro aussi le sagnon sauté parce que ça lit tellement ébélé au moni papier au naza na ango et ça ngai moko ensemble na baninga tout kenda ba investigation na biso mais te trouver que moi na mboka ayé ko remettre les sous sous la poste je dirais en valeur et ko remettre moi en valeur et matin à niveau ezalaki azana makanisi ya ko sala téléphone mobile au ba congolais to ça là moni le auto ça na réseau mobile ya bisoté ba téléphone so to ça la ka ba combo na rotanga tu en a parce que c'est une émission ezali biloko zo uta libanda mais na kati ya mboka to sengela ito za la paix na réseau ya biso moko et réseau nanga na zo penser to ben ata yango réseau ko mona ngo mwana mboka ezali biloko oyo Didier Moussete azali déjà ko penser na yango so to comme na réseau de communication ya biso moko et qu'on permettre à Batouba Zouamissala et Belé,
Nesika oyo ba étranger bazali ko sala ba futara d'abord ba importé et ko permettre pe na bana mboka to zala na fiabilité na o etali sécurité na communication na biso pour na biso moko to zola ndela makambu wana na kati et nazali ko pesa lisusu mwana mboka Didier Moussete merci ebele pourquoi parce que to zala ki na ba travaux o ya ba fibre optique oyo ebandaka ekutaka 221 millions de dollars. Mais bah abandonna ka yango etika la échantillon. Mais yé tangoye aye ko réhabiliter. Aye ko zongi sango lisusu en mouvement. Et ezali ko banda, ko banda, ko banda. Matadi, sakanya, ti, ko kende, je dirais, ko le kana Kinshasa plutôt, ti ko kende kuna na sakanya, pour na bakunyon, soba sa yela, fibre optique. Et aussi, il y a, je dirais, certaines options oyoye azali ko proposer na kati certains services oyoye azali ko proposer na kati lokola ba service bancaire au moins d'être ça la ba transaction na mbongo na ba téléphone e kenda libanda na ba transaction tout ça la ba mbongo na ko tepa na biso te ki n'est pas ba étranger donc to ko ça la ngo na kati ya poste awa et au plus sécurisation et ko za la malam et aussi na o etali fret na o etali fret partout et ça ra par kilo. Mais tu dois comprendre que le service est sur le col, le DHL est consort, le Yiba Kambongo est l'État. Parce qu'en réalité, selon la loi, en réalité, frais tignons sont moins de 2 kilos. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont sous 2 kilos. Frais tuana, il faut que les cas na poste, mbongo côté la wapi, na poste. Mais bah, frais tuana, ils ont les cas, na ba entreprise moussousou, et ça la que non, poste, mbongo beleza pour échapper. Donc, soit tu peux si mon ambo kadide moussete, ma boko ma kasi, tu peux si elle sous confiance, tu peux si elle ba moyen, je vous dis que, à kotombo la poste, et poste rosala et logo moro na kati ya mboka na biso. Tout le monde est ba imboka, na ebite stina in doasou, et ça n'y pas de clôturé, ba imboka, le présage il fa kende. Audience na yimana mboka. Oui, +243 89 457 33 88 +243 89 703 à la fin. Wana yami baleza numéro ya appel, yali boseza numéro ya appel et aussi WhatsApp to pe simbote na batunyo so oyo ba lingaka biso et je pense que je vais le aussi le temps na ndeko moko moko apé ça mbote na mutu na ye. To na présent Jules pas de ceux qui sont en présent. Okay. Merci na ba diaspora nyonso monde mobimba. Ouais, président, le bagana. Merci beaucoup. Na Augustin Kabuya mwana buti. Merci beaucoup na maman Marthe Kasalu. Merci beaucoup na moi chika wetu maman Denise. O bazo soutenir nga 100%. Lelo na zaki mutu pamba. Babenga nga kombata mutu pamba. Lelo na komi na mituka. Lelo na komi na bandako. Na félicité moi chika wetu. Na félicité maman Denise chika. Na félicité le président le plus propre du monde. Pati Beto wa komi meilleur président ya monde mobimba. Oyo ba américain bazo banga. Oyo ba Russi balobi tozo fukama. Eza prophétie ya Simon Kimbangu. Simon Kimbangu lobaki na mikolo sika toto komi na 2023 mutu mwindo akokoma mundele. Eza sengote. Lelo ba mindele ba komi koya na nani? Biso tokoya France te. Tokoya na Amerika te. Me ba mindele ne bazo ya koluka ko perbel. Qu'est-ce qu'il fait la corpelle belle? Les chaînes de minerais. Merci or, diamant, cuivre, étain, manganèse, nyonso et pas d'abisso. Mais comment on a battu Zolo dans la carte en Dagwanzambi? Yahweh salaye, Yahweh salaye. Yahweh salaye, n'a pas de or, n'a pas de cuivre, n'a pas de. Yon en Dagwanzambi n'a pas Mokuna. Mokuna, t'es bandi minayo. Kabunjola, t'es bandi minayo. Patrice, t'es bandi minayo. Mutombo Wachula, Mutombo Léopold, Bote Bandimi, lève-toi et marche. Merci beaucoup. Toboyi, balala kanakata nzambe, yawesa selinyo, nyonso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 081-57-24-609. Merci beaucoup, Nashi. Mambote, mambote. Merci, mingi. Faya Bido Moussete, merci, mingi. Mbote, mingi, et pas ya. Idio Moussete, pour nous salazo, salanano vraiment. Ouli Bakonga na peso bambote. Bakonga wetu. Bakonga wetu. +243 85 090 0602. +243 85 090 0602. A vous la parole. Merci beaucoup. Présent, président, président Moussa Rouba. Ouais, merci. Je voulais juste que faire voir na batu public au Bolanda Biso. A ce qui concerne Makambo Etali et STP.
tu vas comprendre que non, Didier Moussete Azali DG Oyo Aeko, ça là-bas, innovation. Et non, quand on crée et puis qu'on a mis ça, que non, peuple congolais va comprendre que non, il faut toujours en habitude, il y a un poste, il y a un document, un courrier. Donc, Babiloko, oh, tout au beau, ça n'a pas fret, tout. Donc, et ça parmi Babiloko, Oyo Oyo, et ça là, que non, bah, chance, moro, boue, sur le plan communication, et ça là, entre République démocratique du Congo, na ba pays mususu. Donc on appelle Simbote na batnyo so balingara l'enfant terrible de l'IDPS. Donc on a moni yemoko le DG Didier Moussete, pourquoi pas chargé de finances Serge na peso pe bambote bino nyoso bato boza kuna na STP bambote pour la vie. Merci beaucoup na balandino surtout ba mesana kolanda biso surtout na ba diaspora to continuer toujours ko soutenir Didier Moussete parce que na ba innovation et na en tout cas vraiment di jamais vu na kacha RDC to zalana téléphone na biso pe to zalana réseau na biso nyoso wana ko sala pour que misolo ekota ebele na kati ya mboka pe na kolo ba ke bidia mboka ko bimaka pe na poste na pe simbote tout mbebele pa ba pa Didier Moussete na ba collaborateur na ye nyo so tko ba mbote bele mon numéro +243 81 35 68 006. J'ai dit et je vous remercie, c'est la réserve des DPS. Merci beaucoup. Merci to komina suka bambote bele na le secrétaire général Augustin Kabuya, l'homme de la redynamisation qui sangani ekoinda mabe toro bunda toro ya pendata ata likolo ya lipapu ya avion toro matapo na kuna esengeli vraiment inda makasi na pesi bambote na bainyonso prof Kazadi mon père adoptif na États-Unis bisuko zali na pesi mbote je dirais na Cyril la soloa maman Chantal Masengo maman Ani ba maman Bijou les camions so bambote belé mais na bo sanité hein cadre oye yambi biso lelo ezali na bandalo CAF 9, Topesi, hein, Moukolo na yango, donc son patron, Topesi et Bambo Tebele, donc il y a mon style na ye, Andima na ye, babe nga ye, patron voyou, Topesi et Bambo Tebele, na ba travailleur nyonso, Bambo Tebele Makasi. Gouvernement Mobimba, voilà. Tous à l'enfance et à ton d'or, na CAF 9. Merci beaucoup, merci beaucoup, voilà. We'll be right back.